L'assurance neige, ça comporte plusieurs aspects. La prise en charge d'une responsabilité civile, l'accident corporel pour les dégâts causés à la personne, l'évacuation sur piste suite à un accident, la prise en compte de la cellule familiale, hein, en cas d'accident, si un père, une mère est accidenté, prise en charge des enfants, prise en compte aussi du bris du matériel. Ça peut arriver, on loue du matériel et on le casse, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, l'évacuation sur la piste, les barquettes. Là, c'est encore simple, mais quelquefois des évacuations par hélicoptère. Et là, c'est extrêmement coûteux et il vaut mieux avoir une assurance. Vérifions notre assurance multirisque habitation. Vérifions si éventuellement dans la carte bancaire en inclusion on a des garanties suffisantes. Et puis il y a moins de problèmes, je dirais, pour les parents qui ont assuré leur enfant à travers une assurance scolaire et extrascolaire. Mais bon, soyons quand même très sérieux là-dessus. Lisons les petites lignes, lisons les exclusions, car bon, au moment de l'accident, il est souvent trop tard pour réagir. Donc mieux vaut prévenir.